RFM, limité à 80, Pascal Atenza. Une seconde d'actu beaucoup plus rigolote parce que c'est lui qui s'en occupe personnellement. Pascal Atenza, bonjour. Bonjour Albert, bonjour Elodie, comment allez-vous? Ça va et très toi-même? Bien, génial. C'est gentil de demander. Bah, ça va malgré l'annonce hier, puisqu'on a appris la tragique disparition du batteur Charlie Watts. Eh oui, vous en avez beaucoup parlé hier, la mort de Charlie Watts à 80 ans. Eh oui, sans le batteur Charlie Watts, les Beatles, c'est fini. Non. Non. Oui, je sais, c'est nul. Non, alors oui, c'est un membre des Rolling Stones qui meurt à un point de deal de Marseille qui s'effondre. Ah bah ça tue les petits commerces, hein, évidemment. Hein. Quand on dit qu'il faut une troisième dose pour les plus de 80 ans, les Rolling Stones, ils ont tendu une dose gratuite, ils ont déjà réservé leur place sur Doctolib. Hein. Alors ils s'en foutent, hein, on n'a pas de recul, on prend quand même la dose. Alors, je sais que cette troisième dose va conforter quand même les antivax dans leur refus de se vacciner, hein, évidemment, parce que non seulement on parle de troisième dose, mais surtout de faire des rappels régulièrement. Comme la grippe. Et oui, et absolument. Ouais. Et oui, avec ce vaccin, t'as plus de chances de voir des rappels que dans tous les concerts de trois cafés gourmands. Bah nous, on en demande. Alors oui, il y a de gros problèmes à Marseille, évidemment, on revient là-dessus. Règlement de compte, tir de Kalachnikov, hein, tu demandes à un Afghan d'être évacué vers Marseille, il refuse. Non, je reste à Kaboul, c'est plus sûr, Inch'Allah. On n'a pas assez de recul sur Marseille. Amis marseillais, on vous embrasse, n'importe quoi. Allez, on va ouvrir le dossier Mbappé, puisque le Real Madrid veut l'acheter pour 160 millions d'euros. Oui, mais le PSG a trouvé que c'était pas assez. Ah bah c'est sûr, assez cher, bah oui. C'était pas ouf. Alors ils l'ont dit aux Espagnols, no está ouf. Oui, la meilleure fois, s'il te plaît. Non, est-ce 160 millions, c'est pas assez pour Mbappé pour partir en Espagne. Alors qu'à ce prix, tu peux avoir Mbappé et en cadeau, j'offre Manuel Valls et Anne Hidalgo. Oh, trop généreux, merci Pascal. Et puis vous vous souvenez de cette pochette d'un disque de Nirvana sur laquelle un bébé est plongé dans l'eau dans une piscine, on vient d'en parler. Et bien 30 ans après, il porte plainte, ce bébé, donc désormais devenu grand, il porte plainte et réclame 30 millions. Eh oui, et il veut pareil, le petit Grégory, là, nous sommes pareil. Bon, je m'en vais, ça va. Bravo Pascal, t'es un génie. Génie. Pascal Atenza sur RFM tous les matins à 7h15, le replay en vidéo sur les réseaux sociaux d'RFM. On continue avec Martin Garrix et Bono, We Are The People. Et puis après, on jouera ensemble à la machine à tubes. Il est 7h18.